Bénédicta, mon amour. Tu m'as tellement manqué. Kupka! Je te le promets, mon amour. Jamais plus on ne sera séparés. Qu'est-ce qui lui arrive? Non! Ne la touche pas! Bénédicta! Se prépare.
peux le faire. Alors moi aussi! Thank you.
voir, Kubka. Thank you.
tiens. Thank you.
J'ai compris. Qu'est-ce que tu veux ? Ton âme est souillée par ta misérable volonté humaine, mais ta soif de pouvoir demeure intacte. À chaque fois que tu l'étanches, tu deviens un peu plus fort. Bientôt, tu arriveras à maturation. Mais de quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Tu vas nous accepter, Mythos. C'est inéluctable. Tu as été créé dans cet objectif, et donc, tu vas le réaliser. Jamais ! Bats-toi, Clive ! Ne le laisse pas t'avoir ! La conscience. Nous postulons que la volonté humaine est si fragile qu'elle ne peut exister de façon isolée. Vous minorez son inconstance en y entremêlant ce que vous nommez conscience. Nous pensions qu'il suffirait de te débarrasser de ta volonté pour avoir notre réceptacle. Mais il semblerait que nous devons commencer par défaire la trame de la conscience qui la renforce. Peu importe, il n'est pas encore temps de bâtir notre nouveau monde. Nous pouvons patienter.
Merci, Joshua. En vérité, même un émissaire ne peut s'approprier le pouvoir de l'éther. Autant essayer de vider l'océan en buvant de son eau. Hugo avait l'air un peu moins bête que les autres, mais malheureusement, sa tête était dure comme de la pierre. Titan était fort. Votre Majesté. Mais Mythos l'est encore plus. Cela faisait 5 ans que Hugo ne vivait que pour se venger. S'accrochant à des chimères, alors même qu'elles le conduisaient à sa perte. Les hommes ne changeront jamais leur nature par leur seule volonté. Seul notre maître en est capable. L'homme qui a donné sa vie pour la tête d'une femme. Un sot comme tous les autres. Dire que la mort d'un cristal mère est un spectacle magnifique.